Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le foutoir pour notre deuxième partie du tuto Apple Store dédié à l'aménagement d'intérieur. Avant de commencer ce tuto, bien sûr, nous allons voir ensemble les blocs à utiliser dans cette construction. Toujours en moderne HD, du béton blanc, des escaliers en quartz, des escaliers en bouleau, des dalles de chêne, des dalles de bouleau, des trappes en fer, des trappes biscornues, des trappes en acacia, des panneaux en chêne noir, des panneaux en bouleau, différentes plaques de pression, différents boutons, de la végétation, des vitres bleues, des vitres noires, des plantes en pot, différents cadres avec différents blocs à l'intérieur, des peintures écran, des feuilles de chêne et des clôtures en chêne. Et donc nous démarrons ce tuto avec le béton blanc. Vous allez vous mettre à l'intérieur du magasin sur la façade avant et on va venir y placer sur notre béton gris des blocs de béton blanc en laissant bien à chaque fois la vitre grise libre, donc ne pas la remplir, seulement sur les panneaux de béton gris. Vous faites ça de partout. Et bien sûr, quand vous êtes au niveau de la mezzanine, vous allez devoir casser du coup votre barrière et escalier pour pouvoir y placer le bloc de béton blanc. Voilà, vous allez voir. Donc ici, voilà, vous cassez hein, pour placer votre bloc. Et pareil, du coup, en dessous, vous venez casser les escaliers pour pouvoir y placer vos blocs. Vous vous arrêtez, comme moi, en fait, à un bloc avant, vous voyez les verres noirs, car on y placera en fait des escaliers en quartz à l'envers. Donc ça, vous faites ça de partout. Hop, comme ceci. Tout le reste, vous remplissez. Voilà, vous faites tous les panneaux pareils. Vous laisserez faire les deux autres panneaux. Et en dessous, du coup, vous mettez les escaliers en quartz à l'envers. Voilà. Vous allez prendre ensuite, du coup, votre verre gris. Et dans chaque espace, vous allez remettre une ligne de verre gris. Cette fois-ci, qui descend jusqu'au sol. Donc, qui dépasse de 1 par rapport au bloc de verre noir. Donc ça sur toutes vos bandes. Et voilà. Donc je finis pas ce mur blanc pour gagner un peu de temps sur le tuto. Mais ça semble évident, les deux panneaux qui restent, vous les remplissez aussi en blanc. Donc la zone sur laquelle on va travailler exclusivement, c'est vraiment celle-ci. Donc toute cette zone-là. Et en fait, on va copier-coller après cette zone sur la droite et sur la partie mezzanine également. Ce sera trois zones quasiment identiques en fait. En attendant, on va faire le mur à gauche. Donc vous partez ici, vous comptez 14 blocs en fait en partant de la vitre de gauche. Et au 14e bloc, vous partez en diagonale en haut à droite. Donc vous cassez le bloc. Sur la droite, vous en cassez plus 3. Vous montez en diagonale, vous en cassez 2. Vous descendez en diagonale, vous en cassez 4. Et ensuite, on y va. Un bloc en diagonale, deux blocs, ensuite un, deux, trois comme ça, donc avec un angle, on est d'accord. On continue de monter en diagonale, on en casse un ici, ensuite encore un, deux, trois, quatre, ensuite un, deux, trois, quatre en carré, un, deux, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2. Vous voyez, ça commence à ressembler à une pomme.
Ensuite, on repart en diagonale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ouais, c'est 3. 1, 2 et 1. Donc là, vous avez votre logo Apple. On va aller rajouter la petite feuille. Donc vous placez au-dessus de ce bloc-là à 2 et vous mettez 1, 2, 1, 2. Vous remplissez de gris. Et tout le logo, vous allez casser l'intérieur. Comme ceci. Et après, on va venir remplir avec du coup des blocs de béton gris clair. Voilà. N'hésitez pas à faire marche arrière si j'étais trop rapide pour faire le logo. Hop. Et donc vous prenez votre béton gris clair et là vous remplissez tout votre logo. On va y arriver. Hop. Voilà, donc là vous avez un super logo Apple en grand format pixel. Ensuite, on va venir se mettre dans l'angle ici. Vous allez venir compter 2, 3, 4. Et au cinquième, vous mettez un bloc au-dessus et vous venez casser 8. Vous laissez 4 d'espace et vous revenez casser 8. Après, vous pouvez casser au-dessus par 3. Voilà, il faut que vous ayez 3 par 8 d'ouverture. Et vous allez faire la même chose ici, donc vous allez vous placer par rapport aux lumières. Donc vous allez vous placer au troisième bloc, au quatrième bloc, oui, ça, 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc au quatrième bloc, donc ça fait au deuxième par rapport aux lumières. Vous faites pareil ici, vous mettez au deuxième par rapport aux lumières, vous cassez, et vous faites cette fois-ci toute la longueur, et pareil. Par 3 de hauteur. On prend ensuite le béton blanc et on va tout simplement faire le même principe que pour la face avant. On vient doubler le mur avec le béton blanc de partout jusqu'au plafond en évitant bien sûr les trois zones qu'on vient de créer juste avant. Donc on va faire une petite accélération pour que ça aille plus vite et on se retrouve juste après. Voilà. Donc vous allez prendre ensuite vos escaliers en quartz lisse et vous allez mettre une rangée devant sur le premier bloc de béton blanc, derrière une rangée de lanternes aquatiques et dessus une autre rangée d'escaliers en quartz lisse. Vous faites ça sur les deux autres ouvertures, escalier, lanternes aquatiques, escalier. Pareil ici, lanternes aquatiques, escalier devant et escalier dessus. Donc on retourne du coup dans notre zone devant le logo Apple. Et donc je vais vous montrer à peu près voilà à quoi va ressembler notre zone après construction. Donc je vous laisse le petit schéma en haut à gauche. Donc on va démarrer avec les dalles de boulot. Et du coup ici, vous allez faire 4 d'espace. Et en fait après vous allez tirer un trait jusqu'à vous arrêter à 1 avant le logo. Du coup ici vous repartez à 1 après le logo. Et vous remettez une ligne, pareil, cette fois-ci en vous arrêtant, je sais pas, à 3 du mur. Voilà, 3 du mur, c'est parfait. Donc ça vous fait deux étagères de présentoir que vous pouvez aussi aménager avec un escalier en boulot à l'envers. Et moi, je trouvais que ça faisait un peu banc, donc j'ai préféré simplement laisser les dalles de boulot à l'envers. Ensuite, vous vous placez au niveau de la première dalle de boulot que vous avez placée. Vous laissez 5 blocs d'espace. Et vous venez mettre un premier bloc de béton blanc.
pour faire un marquage qu'on met pour la table, comme vous voyez dans l'angle en haut à gauche. Vous laissez ensuite deux blocs d'espace. Vous rajoutez un bloc de béton blanc, vous laissez ensuite cinq blocs d'espace et vous remettez un bloc de béton blanc. À nouveau deux blocs d'espace et un bloc de béton blanc. Et donc ça doit vous donner ceci vu de haut. Donc là vous avez les angles, les premiers angles de vos tables en marquage. Vous allez ensuite faire la même chose en partant de la dalle de boulot ici, en mettant bien en face. Donc, paf, paf, paf et paf. Là vous avez vos marquages de vos premières tables. Vous faites exactement la même chose devant l'autre étagère. Vous vous placez en face et vous placez vos angles. Voilà. Vous repartez pareil jusqu'au bout. Hop, je n'ai pas besoin de marquer ça. Hop, en face toujours. Toujours bien symétrique. Voilà. Donc là, vous avez vos marquages de vos tables. Vous allez pouvoir prendre vos escaliers en bouleau et partir faire le tour. Vous voyez, sur la première table, comme ceci. Bien sûr, à l'envers. Voilà. Allez. Tac, tac. Vous faites pareil dans la diagonale, dans la table qui est en diagonale. Les deux autres, ne faites pas pareil. Et la dernière. Voilà. À l'intérieur, vous remplissez avec soit deux demi-dalles de bouleau, soit tout simplement un bloc de bouleau. Tout l'intérieur. Et sur les angles, vous remettez des escaliers en bouleau qui forment bien l'angle droit de la table. Faites exactement pareil sur l'autre. Vous remplissez le centre. Et les angles à changer en escalier de bouleau à l'envers. Voilà pour vos deux premières tables. Pour les autres, vous venez avec vos dalles de vos escaliers, pardon, de bouleau. En fait, on va venir faire des pieds de table. Vous faites pareil ici, en vous mettant sur la partie intérieure à chaque fois, avec des escaliers à l'envers, mais cette fois-ci en vous mettant à l'intérieur de votre table. Et vous remplissez le reste avec des dalles seulement, merci. Je vais pas y arriver. Un escalier, donc des dalles, voilà, comme ceci. Hop, hop. Donc de partout. Pour faire une table cette fois-ci, où on peut voir en dessous. Sur les angles, vous reprenez un escalier en bouleau. Et pour faire un énorme pied, comme ceci. Oui, j'avoue que je reconnais que c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va inverser. Vous allez mettre des planches de boulot partout et seulement un escalier à l'envers sur les angles. Ce sera beaucoup plus sympa. Voilà. Donc, désolé pour la petite rature. Vous fermez totalement votre table avec les dalles de boulot et dans les angles, vous mettez un escalier à l'envers. Pour faire les pieds de table. Donc escalier à l'envers, escalier à l'envers, escalier à l'envers et escalier à l'envers. Pareil ici du coup, hop. Et hop. Voilà. Donc là du coup, vous avez vos tables. Donc quatre tables qu'on va pouvoir commencer à décorer juste après. On continue, on repart du pied ici et vous allez laisser quatre blocs d'espace et au cinquième vous allez casser un bloc, pareil de l'autre côté. Vous mettez une lumière au fond, donc une lanterne aquatique, et dessus vous allez mettre une dalle de bouleau. Vous allez prendre les trappes biscornues et vous allez mettre derrière vos dalles pour faire des petits sièges. Vous allez ensuite prendre vos escaliers en bouleau pour pouvoir faire une table. Donc vous prenez vos escaliers en bouleau comme ça, à l'envers, et vous faites une table carrée de 3 par 3.
cassez votre bloc de béton blanc qui vous a servi de marqueur. Vous vérifiez bien que vous avez 4 et 4 de chaque côté. Et au centre, vous allez mettre une lanterne aquatique. Et par-dessus, du coup, une dalle, en bouleau. De l'autre côté, vous allez remettre deux dalles, mais cette fois-ci, en fait, on va les changer, on va les mettre en chêne. Parce que j'étais parti sur du bouleau, mais finalement, pour casser un peu le côté bouleau, on va mettre du chêne. C'est pas plus mal. Ouais, ça ressort bien, c'est sympa. Donc vous voyez, j'avance progressivement avec vous. Des fois, je fais des petits changements, je suis désolé, mais c'est ça aussi le tuto, c'est que, bah ouais, en direct, j'arrive à l'améliorer. Du coup, ici, on va refaire une table. Donc, vous partez en fait, vous laissez 4 d'espace d'un côté et 5 de l'autre. Et vous refaites une table de 3. 3 par, si je dis pas de conneries, 3 par 8. 3. Et donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bien ça. Donc, par 3. Au centre, sans casser cette fois-ci, vous mettez des lanternes aquatiques et vous allez remplir en fait de la table au centre des dalles de bouleau en prenant bien les extrémités de la table. Voilà. Oh putain, je casse tout, pardon. Et hop, hop, là vous remontez de deux de chaque côté et vous refaites une ligne de part en part. Ça vous laisse un demi d'espace au centre. Voilà pour les tables. Donc si vous n'avez pas ça, reprenez en arrière. Sinon, on continue. On retourne vers nos étagères du fond. Et ici, vous allez laisser un bloc d'espace et casser deux. Donc un et un. Et à côté encore, donc deux, deux. Vous mettez des lanternes aquatiques. Et ensuite, vous prenez votre béton blanc et vous tirez un trait qui dépasse de 1 de chaque côté pour avoir un éclairage de plafond. Donc on fait pareil ici. Lanternes aquatiques. Et béton blanc de part en part. Ici, pareil, vous faites 2, 2, vous cherchez un peu au centre, hop, voilà. On va même casser celui du milieu, je pense que ça va être. Ouais, voilà. Donc 2, là vous en avez 4, 2 et le béton blanc. Voilà. Voilà pour nos étagères. On va poser maintenant des panneaux de bouleau sur les tables qui sont avec pied. Donc là, par contre, on va démarrer voilà, au milieu. Donc vous laissez un espace au bord et vous allez poser en fait, des panneaux de partout, comme ceci, en laissant chaque fois un espace entre chaque panneau. Et devant, vous mettez une plaque de pression de couleur foncée pour faire comme un clavier d'ordinateur. Donc là, c'est pour les Mac, Macintosh. Voilà. Paf, 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 la petite souris avec un petit bouton. Là, vous avez un espace, voilà. Un espace ordinateur. Vous venez rajouter deux petits pots qu'on remplira avec des fleurs tout à l'heure. On fait pareil ici. On prend nos panneaux. Hop. Voilà, avec un espace à chaque fois. En face. Les trappes. Les plaques de pression, pardon. Les boutons. Les pots de fleurs, voilà. Sur la table centrale, vous prenez des cadres et pareil, vous venez les poser à plat avec un espace à chaque fois entre chaque cadre. Et en face, vous le mettez en quinconce par rapport à ce que vous venez de poser pour avoir un petit décalage. Entre chaque cadre, on vient poser du béton blanc, donc en provisoire, ce sera pour appliquer nos peintures après. Donc vous venez poser entre chaque cadre un bloc de béton blanc. Et on va retourner sur nos petites étagères. Et là, on va venir poser aussi des cadres. Donc, il y a deux façons différentes. Soit vous l'appliquez à plat. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez mettre que deux étages pour avoir des petits présentoirs. Soit vous les appliquez en mural. Et donc là, du coup, vous pouvez avoir trois étages. On va y arriver. Tac, tac. Comme ceci. On vient faire pareil du coup sur notre troisième étagère.
Donc là, je vais les mettre en mural. Après, c'est à vous de voir si vous préférez mural ou poser à plat. Voilà. Ensuite, on va retourner sur la zone d'entrée, donc sur la zone d'accueil, dans le petit rectangle blanc. Vous allez prendre vos lanternes aquatiques et au centre, voilà, en laissant deux d'espace de chaque côté, vous venez mettre une bande de béton blanc. De béton blanc, pardon, de lanternes aquatiques. Tout autour, vous pouvez l'entourer de panneaux de bouleaux. La zone commence à bien progresser. Ici, vous venez mettre des plaques de pression de différentes couleurs, différentes textures en gros, pour avoir en fait une zone PC portable. Donc chaque texture du coup fait un modèle différent de PC portable. Vous pouvez mettre du coup du béton blanc comme tout à l'heure entre chaque plaque de pression et du coup aussi une au-dessus pour bien fermer la zone, pour avoir juste une case au-dessus de vos plaques de pression. Donc on va après appliquer les peintures. Vous allez voir, ça va rendre pas mal. Donc là, ici, pareil, on ferme au-dessus. Et on prend nos peintures. Donc là, pareil, il faut que je ferme au-dessus. Voilà. Et vous mettez vos peintures écran dans chaque encastrement de chaque côté. Vous cassez du coup vos blocs de béton blanc. Voilà. Et on va faire pareil du coup sur le mur où il y a le signe Apple. On met nos petites peintures écran. Ça nous fait donc des petits PC portables. Très esthétiques. Voilà, par ici. Tac, 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 tac. Oh, et je casse les mauvais trucs. Hop, hop, voilà. Ça progresse bien. On va du coup s'attaquer à cette petite table. Donc ici, vous prenez vos vitres bleues et vos vitres noires. Vous en mettez une au centre, vitre noire, et deux vitres bleues de chaque côté. Vous pouvez même rajouter des blocs de béton blanc autour pour refaire pareil un petit écran. Donc là, ce serait plus une zone vendeur. Après, il faut imaginer comme on dit, mais voilà, c'est pour avoir une comme un peu une zone de vente, conseil vente. Et vous mettez une plaque de pression en chaîne par exemple, et une vitre bleue à gauche de chaque écran. Voilà pour la petite table. Donc ça commence à prendre forme tout doucement. Vous allez ensuite prendre vos escaliers en granit, revenir sur le petit îlot central. Et en granit, vous allez poser un escalier en granit, une plaque de pression, un panneau en chaîne noire, un escalier en granit, une plaque de pression, un panneau en chaîne noire pour faire le système de caisse. Pareil de l'autre côté, sauf que vous inversez. Un panneau, une plaque de pression, un escalier, un panneau. Une plaque de pression et un escalier. Donc là, vous avez vos petites caisses, les caisses vendeurs. Il ne reste plus que deux tables à décorer. Donc pour ça, on va changer de matériau. On va prendre les conduits. Vous allez mettre au centre de la table, vous voyez, à un bloc d'espace par rapport à la diagonale, un conduit de chaque côté. Pareil de l'autre côté. C'est juste un élément décoratif. Voilà. Et un pot de fleurs de pareil, on reprend en diagonale par rapport à vos conduits. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez vous équiper de différents types de boutons pour faire en fait un effet portable, présentoir à portable, et vous placez des boutons avec un d'espace tout autour de la table. Donc différentes couleurs pour différents modèles de téléphone. Donc les téléphones dans Minecraft sont très cubiques, pas très plats. Mais
C'est juste pour le principe. On fait pareil sur l'autre table. Voilà. Donc on a quand même bien avancé sur notre petite déco. On va aller remplir ensuite nos cadres au fond. Donc vous allez prendre les boutons par exemple, pour commencer d'ailleurs, et vous mettez sur la première zone des boutons dans tous les cadres. Puis vous allez double-cliquer après sur chaque bouton pour les tourner de sens, parce que vous voyez, on ne les voit pas trop dans ce sens-là, donc vous double-cliquez. Donc là, voilà, le but c'est vraiment de mettre des éléments différents, donc des boutons, des plaques de pression, des dalles, des bannières dans tous les encastrements, enfin tous les emplacements, pardon, afin de donner un effet présentoir de téléphone, de tablette, voilà, donc là je mets des plaques de pression, enfin, vous m'avez compris, de tous les des stands, quoi, des stands de présentoir, comme on peut trouver dans les magasins de téléphonie ou dans les magasins Apple. Ici. C'est pas mal. On va mettre du coup des dalles. Ouais, c'est bien comme ça. Dans les pots de fleurs, on n'oublie pas de mettre des fleurs. Moi j'ai pris des racines biscornues et des racines carmin. Et vous pouvez mettre les fleurs qui vous plaisent le plus. C'est au goût et couleur. Les goûts un peu moins, puisque on ne mange pas les plantes, mais c'est plus pour la couleur. Commence à prendre forme tout doucement. Je sais pas si vous appréciez, mais n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Je sais que j'explique très mal sur les tutos déco, c'est très très dur d'expliquer au fur et à mesure, puisque souvent je change en même temps. J'avais une première idée, j'avais déjà fait un premier jet, mais très souvent en cours de route, on arrive rarement à réaliser exactement la même chose qu'on avait prévu de base. Donc voilà, j'ai mis des bannières, vous voyez, dans les derniers cadres. Vous faites la même chose dans l'autre, hein. À tout remplir. Et voilà. Du coup, maintenant, on va copier cette zone dans les deux emplacements. Donc ça, si vous avez WordEdit sur un PC, vous faites avec WordEdit. Sinon, vous faites un hashtag clone sur console. Et voilà, ça vous clone directement les deux zones. Vous voyez, c'est totalement. Il n'y a plus qu'à remettre les peintures et c'est tout. Parce que le reste, tout a été copié. Il n'y a que les peintures qui ne sont pas copiées lors de la manipulation. Ensuite, on va s'occuper du dôme de verre. Donc là, pour ça, vous venez casser deux blocs pour pouvoir passer. Vous allez en fait prendre votre seau d'eau, faire couler dans chaque distributeur des colonnes d'eau pour savoir où elles tombent, et vous venez casser l'herbe qui se situe en dessous, vous refermez pour pouvoir arrêter l'inondation du gazon, et après, une fois que l'eau s'est évaporée totalement, vous pouvez remettre à nouveau de l'eau, et cette fois-ci, elle restera dans le petit trou que vous avez creusé. Voilà. Et puis après, bah, libre à vous de remplir la zone avec du bambou, avec de la canne à sucre, avec des lianes, lianes grimpantes, des lianes descendantes, enfin, des plantes vertes, ce que vous voulez. Lianes tortueuses, voilà. Vous mettez un peu de tout, vous végétalisez la zone. Le but, c'est d'avoir le maximum de plantes grimpantes pour que le tube soit totalement végétalisé à la fin. Donc, voilà, pareil, hein, des petites lianes ici. Et puis voilà, vous laissez la nature se faire, tout poussera tranquillement.
tranquillement avec le temps. Après, si vous êtes pressé, vous pouvez aussi directement les monter. Là, je vais végétaliser un peu avec quelques plantes, de la pivoine, voilà, comme ceci, un peu partout. Voilà. On referme le tube. Voilà pour le tube végétal. Donc on a fini le plus gros des œuvres de ce tuto. Il ne nous reste plus qu'une dernière partie. Et déjà, franchement, ça commence à avoir de la gueule. Je vous laisse libre de me dire dans vos commentaires si vous avez apprécié le travail effectué. Après, c'est vrai que des fois, ça paraît un peu trop épuré, mais dans les Apple Store, c'est assez épuré de l'extérieur. Souvent comme ça, on voit des tables. Enfin, voilà. Il ne nous reste plus du coup à végétaliser un petit peu tout ça là. Et ce sera parfait. Pour le plafond ici, on fait du 4x4 avec des trappes biscornues, en laissant les 4 du centre, et à intervalle, on va mettre des trappes de fer. Donc vous faites 4x4 à chaque fois, une en trappe de fer, une en trappe biscornue, comme ceci. Normalement, vous allez tomber pile poil voilà, sur le nombre. Donc vous faites ça à intervalle à chaque fois, 1 sur 2. Une fois en trappe biscornue, une fois en trappe de fer, donc selon la texture bien sûr, hein, parce que je sais que dans la texture classique, la biscornue a une couleur un peu bizarre. C'est peut-être les trappes en chêne pour certains. Et voilà, pour juste habiller un peu le plafond lumineux. Donc vous faites ça sur toute la longueur. Ici au centre, sur le mur, vous voyez, vous mettez bien aligné à la table et laissez deux d'espace. Hop, vous mettez une ligne de bois de chêne et de chaque côté vous allez venir monter des barrières en bois de chêne et au centre vous allez casser d'un bloc de profondeur le mur pour y placer des feuilles de chêne. Donc si on casse, c'est pour pas voir le fond du mur parce que les feuilles de chêne sont assez transparentes. Et à partir du moment où vous les doublez, ça devient noir derrière. Hop. Et on fait une petite haie végétale contre le mur. On va mettre de l'éclairage à côté. Donc vous placez un peu où vous voulez, à 2-3 blocs de votre haie. Et vous mettez deux lanternes aquatiques les unes en dessous des autres, comme ça un bloc d'espace. Et par-dessus, une trappe biscornue pour masquer un peu ce côté trop lumineux. Ça fait un peu plus, voilà, un peu plus boisé. Et puis vous pouvez même faire la même chose, en rajouter deux autres de chaque côté, côté extérieur. Donc, pareil, là on va laisser 3 blocs. Hop, hop. Donc une lanterne. Et une trappe par-dessus. Voilà. On va y arriver. Pareil de l'autre côté. Hop, 3 blocs. Hop, lanterne, trappe. Tac. Voilà. Ça habille bien le mur. Oui, le mur végétal d'ailleurs a commencé à pousser. Ici, on va faire le même principe. On met une planche de chêne. Donc on se met à 3 blocs d'espace. Hop. Et on va mettre la clôture. On casse le mur. Et on met les feuilles de chêne de partout. On va s'en mettre une petite dans l'angle ici. Hop. Donc, vous voyez, si on casse pas, ça fait qu'on voit à travers le mur.
Donc c'est pour ça qu'on casse le mur. Et là, on voit plus rien. Vous voyez la différence. Hop, donc c'est pour ça que je double mes feuilles contre le mur. On met les clôtures autour. Et voilà. Et on en a donc fini avec ce tuto. Je sais que les explications n'ont pas toujours été très claires, mais j'espère qu'il vous a plu malgré tout. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire votre avis, positif ou négatif, c'est toujours constructif, on en a besoin. Autrement, mettez-nous un pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao, ciao.